Allez, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va parler de la conversion. Alors, la conversion, c'est une action qui vous permet de convertir par exemple un Panzer 3, donc ici c'est le moyen de 39, en par exemple chasseur de chars de 41, artillerie de 41, anti-aérien de 41. Ou par exemple en amphibie de 43. Alors, comment ça marche? C'est simple. Vous prenez donc une variante, on va dire celle de 39, et vous pourrez la transformer en variante de 41 ou en équivalent. C'est-à-dire, là on est en fin de compte sur le moyen de niveau 1. Les amphibies sont considérés comme des moyens, mais donc résultat, on ne peut pas convertir un moyen de niveau 1 en moyen de niveau 1. Il faut, vu que c'est considéré en fait comme une variante, attendre pour justement convertir les modèles de 39, donc les moyens de niveau 1, en amphibies, donc qui sont considérés comme une catégorie spéciale de niveau 2. Bien sûr, ce n'est possible que sur le moyen. Par exemple, pas possible de prendre un char léger de niveau 2 pour le convertir en amphibie ou quoi que ce soit, pareil pour le lourd. Voilà. Dans le cas pour le coup des modernes, ils sont rangés dans la catégorie des moyens, mais tout en étant un peu à part. Donc résultat, pas de possibilité non plus de conversion du côté du moderne ou du super lourd. Pour convertir, donc, comme je disais, donc il nous faut un. Alors, bon, bien sûr, je disais véhicule de la série précédente, mais ça peut être aussi de l'actuel. Vous pouvez très bien prendre un Panzer, donc un moyen de niveau 2, et le convertir en spécialisé de niveau 2. C'est absolument pas un problème. Donc pour convertir, c'est simple, il suffit en fait donc d'avoir les tags de recherchés. Donc là par exemple ce sont les chasseurs de chars. Vous avez donc le petit bouton en bas à gauche qui vous permet de convertir les réserves. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour convertir, par exemple, imaginons que vous vouliez convertir un. Là comme moi j'ai là un moyen niveau 2, pour le convertir en chasseur de chars, il faudra obligatoirement le décommissionner. Donc la décommission, ça passe par ici, les mettre hors service. Alors maintenant, vous me direz quels sont les avantages de la conversion. Sur le papier, certains vous diront que la conversion ne sert pas à grand-chose, parce que ça ne produit pas ce genre de choses, etc. Réellement, en fait, vu que c'est une simple conversion. Ce qu'il faut savoir sur la conversion, c'est que déjà, ça vous permet une chose, d'utiliser un matériel qui était jusqu'à présent obsolète, donc par exemple un char de 39, pour le transformer en une variante de 41 qui, résultat, peut lui redonner en fin de compte un intérêt. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça vous permet aussi, résultat, de faire des économies, parce que ben, vous n'aurez pas besoin comme ça de produire une nouvelle chaîne de production avec, par exemple, du chasseur de chars, parce que justement, vous allez convertir, donc ça va vous consommer moins d'usine. Mais dans le même temps, comme vous allez le voir, ça consomme aussi moins de ressources. Et la question qu'il faut se poser, en fait, c'est toujours la même, c'est un équilibre à trouver, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui est pour nous plus important? Dans le cas par exemple de l'Allemagne, on va pas se mentir, on est quand même majoritairement sous un blocus, on peut être limité en termes d'accès au niveau des ressources, ce genre de choses. Donc on a des industries, mais on n'a pas forcément les ressources pour les faire tourner. Dans ces moments-là, la conversion prend tout son sens. Parce que ça va nous permettre donc justement de réduire nos besoins en ressources tout en maintenant une productivité à peu près équivalente. Donc dans le cas présent, je vous ai pris deux exemples. Alors bien sûr, j'ai arrondi, hein. Je me suis pas emmerdé non plus à aller vraiment dans le détail, mais c'est pour vous donner un exemple concret. On va imaginer donc d'un côté qu'on a ici du 75-25. Donc, qui est représenté par 80 usines sur le char moyen et 30 sur le chasseur de char. Pareil, hein, 75% en fait sur le char moyen, 25% sur une variante, et pas de conversion. De l'autre côté, on va faire un découpage plutôt 90-10. Donc pareil, pour les deux, je suis parti sur 110 usines. Donc 10 sur la variante chasseur de char et 100 sur le char moyen. Alors là, effectivement, je suis à 106 et pas à 100, mais j'expliquerai pourquoi après.
Donc, en définitif, on va faire le calcul un peu de ce que ça nous rapporte et de ce que ça nous coûte. Donc, pour la variante 75-25, on consomme 330 d'acier et 280 de tungstène. On produit au total 76,49 chars, dont 20,09 chasseurs de chars. Pour la variante en 90-10, on consomme 310 d'acier et 220 de tungstène, pour une production totale de 75, dont 14,7 de chasseurs de chars. Bien sûr, je précise que dans ce cas-là, hop, sur là, celle-ci, on convertit, ce qui donne les valeurs résultats que je citais. Alors, vous allez me dire, ouais, mais effectivement, on perd en prod. Alors oui, totalement, on a perdu en prod. De ce que j'annonce, effectivement, on perd à peu près 6 de prod. Donc 6 de prod par jour, donc 6 chars en moins de produits par jour, au final, ça reste limité. Je veux dire, c'est 8,5 de production en moins. C'est effectivement un nerf, mais ça reste limité. De l'autre côté, par contre, quand on commence à mesurer les ressources, alors déjà, ça nous coûte 20 d'acier en moins. C'est un gain appréciable, hein. Alors c'est un gain quand même minime, hein, parce qu'en l'occurrence, 20 d'acier, vu nos coûts, c'est actuellement une réduction de 6%. Je vais y arriver. Donc, effectivement, c'est minime. Mais par contre, le tungstène, qui est une ressource relativement rare, et autour de laquelle vous pouvez avoir de la concurrence, on se retrouve à ne consommer que 220 au lieu de 280. Et cette économie, en fait, mine de rien, est énorme. Parce que déjà, donc, ça réduit d'à peu près 25% notre consommation en tungstène. Mais dans le même temps, et c'est quand même là le plus beau, c'est 8 usines en moins qui sont nécessaires pour le commerce. Et ces fameuses 8 usines, je me suis permis de les rajouter ici. Donc 6 à la production, et 6 usines à la production demandent résultat de 2 usines de commerce en plus. Donc au final, on se retrouve, on a une consommation en tungstène qui est toujours inférieure avec ce modèle-là. Mais par contre, on se retrouve à produire plus de chars. Bah, tout simplement parce que, effectivement, là pour l'instant on est sur une conversion. Mais là on est à 74,73 face à 56,40 et 20,09. Donc la différence entre les deux en termes de production est très minime. C'est-à-dire que réellement on a une perte d'efficacité au niveau de sa prod industrielle de 2,5. Le truc, c'est qu'on peut très bien imaginer arrêter les conversions. Et même en arrêtant les conversions, comme on vient de le faire là, ben résultat, on passe donc à plus de 80 chars, donc on produit plus que sur celle-ci, mais pour un coût là aussi moindre. Comme vous le voyez, on est là à 252 face à 280. Donc ce build-là fonctionne en général toujours mieux. Pourquoi? Parce que même si vous arrêtez les conversions, vous produisez plus et ça vous coûte moins cher. Vous êtes aussi moins dépendant du commerce, ce genre de choses, etc. Et quand vous êtes en conversion, effectivement, vous produisez 2,5 de moins, mais vous avez une production de chasseurs de chars qui est à peu près équivalente. Vous avez une ligne de production bah, qui, résultat, vous pouvez la mettre plus tôt, parce qu'en général, vous avez toujours les chars avant d'avoir les variantes, ce genre de choses, etc. Ça vous permet aussi, si vous voyez par exemple avec ce genre de modèle, si vous voyez que ben, vous convertissez trop de chars et que vous en avez trop qui s'accumulent dans les stocks, vous arrêtez tout simplement les conversions. Alors que dans ces modèles-là, malheureusement, vous avez beaucoup moins de possibilités pour régler en fait la production, quoi, hormis réduire des usines, ce genre de choses. Ce qui demande ben, forcément de perdre de la productivité pour après peut-être en regagner ici, etc. Donc, le modèle conversion permet d'être beaucoup plus souple, vous permet à quasiment production égale de consommer moins de ressources, d'être moins dépendant de votre commerce, ce genre de choses, etc. Par contre, effectivement, ça va vous consommer un peu plus d'industrie. Donc, la question est toujours de se poser en fin de compte ce dont on a le plus besoin. Dans le cas d'un Allemand, en général, on n'est pas vraiment en manque d'industrie, on est plus en manque de ressources et de manpower.
Donc c'est par exemple l'un des leviers sur lequel on peut jouer. Par exemple, dans le cas d'un Américain, l'intérêt de la conversion, ça va être que en 39, on n'a pas la technologie encore pour produire les chars amphibies. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre par exemple 15 usines sur le char de 39. On va en produire effectivement une petite quantité, mais une petite quantité sur au final 2, 3, 4 années. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a accumulé tellement de chars en fait au cours de ces 2-3 années que en fait on va arriver aux chars amphibies, on va pouvoir passer en mode conversion pendant une année et demie sans problème en fait sur autant d'usines hein, et résultat on produira beaucoup plus vite. Ça nous permettra de rattraper le retard qu'on a pu prendre parce qu'effectivement on met la production beaucoup plus tard sans forcément augmenter le nombre d'usines. Donc la conversion est l'un vraiment, à mon sens, des gros avantages parce que ça permet quand vos techs ne vous permettent pas encore d'avoir une tech, de déjà commencer à produire le matériel. Donc ça peut être bien de jouer là-dessus justement pour anticiper vos futurs besoins, ce genre de choses. Bien sûr, je précise, mais je sais effectivement que la conversion risque de changer avec le prochain DLC, mais vu que j'avais déjà commencé à préparer la vidéo, je me suis dit autant que je la publie et je ferai une mise à jour après la sortie du DLC pour voir ce qui change, etc. Donc voilà, personnellement, moi honnêtement, je vous conseille de passer par la conversion, ça permet de jouer beaucoup plus avec les chiffres et en soi, on y gagne pas mal. De toute façon, je pense que j'ai tout dit, donc résultat, ça conclut cette vidéo.